Hello tout le monde, ici Gamer King pour ce nouvel épisode de notre Let's Play sur Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ce 20e épisode, mine de rien, ça avance. On n'est même pas rendu à la moitié du jeu. Puis on est déjà rendu au 20e. Le premier nous a duré 30 épisodes. Celle-là risque de durer une dizaine d'épisodes de plus. Donc, ça risque de durer 40 à peu près. Voilà. Dans le dernier épisode, on a fini la ville d'Halloween, ici. Et on a fait un nouveau chapitre d'Atlantica. Donc, on est rendu à deux chapitres de fait. On a 20 minutes de temps de jeu dans ce monde. Là, on va faire Agrabah. On va aller à Agrabah, niveau de combat 22. Et dans peut-être deux épisodes, je sais pas, deux, trois, deux peut-être plus, on va aller faire ce monde-là, que je dirais pas c'est quoi. Donc, j'ai l'impression que mon micro est pas assez proche. Donc, je vais le rapprocher pour le coup. Bref, je vais pas le dire encore c'est quoi, mais j'ai hâte de le faire. C'est quand même un monde assez particulier et c'est un de mes Disney préférés. Voilà. Donc commençons à aller par Agrabah. C'est parti. On va aller voir Aladdin, Jasmine, le génie, tout ça. Et Abou. J'ai oublié Abou. Oh, c'est triste. Gorsh, I wonder how Aladdin and Jasmine are doing. Hey, maybe Riku's with them. Yeah, I am the king. Keep dreaming, you two. Come on, Donald, you were thinking the same thing. No, I wasn't. Uh-oh, it's Iago! Wait, you got me all wrong! You're all right. No, I mean it's not the old me. I turned over a new feather. I'm legit. No more scams. Promise. That's your new scam. You gotta believe me. Sure, let's go. I was stuck inside that lamp with Jafar, remember? But I finally escaped. Then some things happened. So, free as a bird, huh? Have fun. Gorsh fillers, he looks pretty sad. I want to apologize to Aladdin and Jasmine. Could you guys maybe put in a good word for me? Sure. We can do that, can't we? Watch out! Bref, Iago veut se repentir pour toutes les conneries qu'il a faites avec Jafar. Mais Sora et Donald le croient pas trop. Là, on se fait attaquer par des sans-cœurs. Puis il veut aller s'excuser, mais c'est pas comme... je crois que c'est dans Aladdin 2, le retour de Jafar. Il me semble... je l'ai pas écouté. Oui, je l'ai écouté. C'est le 3 que je n'ai pas écouté. Bref. Donc, c'est ça. Il veut devenir un petit peu ami avec Aladdin, Jasmine et tous les gentils en fait. Mais Sora, voilà, on le croit pas trop. On sait pas pourquoi il veut redevenir gentil. En plus, il s'est passé des choses dans la lampe avec Jafar. Donc c'est un petit peu chelou. Et on frappe. Celle-là. Va-t'en. Oh, ok. Je pense que c'était des combats infinis en plus.
Where are they all coming from? Hello! This way! Calme-toi, Iago, ok? On sait que t'es perturbé, mais calme-toi, s'il te plaît. On l'a échappé belle, sans Iago. On y passait, pas vrai les amis? Pas vrai les amis? On te doit une fière chandelle, Iago. Je vous le fais pas dire. Oui, il a fait n'importe quoi. Il a réussi à nous faire sortir de là. Voilà. Mais tu devrais convaincre toi-même, Aladdin et Jasmine, de ta bonne foi. Alors, montre-toi sous ton meilleur jour, compris? Compris. Mais au fait, où est Aladdin? Il est sûrement au palais. Alors, allons-y. Voilà, on a la carte d'Agraba. C'est cool, c'est pratique. On peut s'orienter. Je ne vais pas sauvegarder. Voilà. Voilà. Je vais synthétiser. Voilà, c'est fait. Et on peut aller rejoindre Aladdin et Jasmine. Et Abou. Ils l'ont oublié. C'est triste. Pauvre Abou. Bref. Ah, une pièce de puzzle. Yeah, une pièce de puzzle. Go, on y va. C'est parti. Yeah, j'ai deux faces. Et on peut aller au palais. La ville a changé depuis le premier Kingdom Hearts. J'aime mieux Agraba du 2 que du 1. C'est cool. C'est comme ça. Jasmine. Sora, Donald, Goofy. Your Majesty. I never had the chance to thank you for before. You helped Aladdin defeat that awful Jafar and save Agrabah. All in a day's work. But, it looks like the Heartless are up to no good again. Is there any way we can help you out? I think we're all right for now. And you always got Aladdin. He hasn't been himself lately. Huh? Is it because of the Heartless? I'm not sure. Usually, he's the same cheerful Aladdin. But sometimes, he just seems sad. Hmm. He leaves the palace and goes off by himself all the time. I've asked him about it, but he says nothing's wrong. He's gone again today. What if he doesn't come back this time? Hey, maybe he's got a secret girlfriend. I know. I'll go find out who she is. Iago, quick, Sora. Catch him. And I'll warn the guards and everyone in the palace. That's the thing. Iago's not... Nice move. Maybe it's something you said. Gee, maybe we should go talk to Aladdin. He's gotta be somewhere in town, right? Good idea. I wonder what he's been doing. Ouais, je suis sûr qu'Aladdin check Blanche-Neige en cassette. Ouais, c'est tellement sexy Blanche-Neige, oh mon dieu. Bref. Ah, Iago. Il a fait n'importe quoi, donc Jasmine a eu peur et elle est partie. Hi Sora. Come back here. If you can't control that furball, put a leash on him. Look, I'm sorry. You should be ashamed of yourself, Abu. No hard feelings? Abu?
guys. Sorry about earlier. I was kinda in a hurry. What happened? You know Abu. He couldn't keep his paws off that lamp. No talking your way out of this one. Tu n'as pas l'air si déprimé que ça. Qui a dit que j'étais déprimé? La princesse Jasmine. Tes escapades en ville l'inquiètent beaucoup. Tu as une nouvelle petite amie? Pas du tout. Mais Jasmine a quand même remarqué quelque chose, hein? En fait, quand le génie et le tapis sont partis, découvrir le monde, j'étais très heureux pour eux. Ouais, le génie à la fin du premier a été découvrir les mondes. Il nous a accompagnés comme invocation, mais il est parti découvrir les mondes. Voilà, Disneyland, tout ça. Non, c'est pas vrai. Même si on peut le croire parce qu'il a sa peau de dingo dans le film. Donc bon, on s'en fout. Mais à présent, tu t'ennuies. Je comprends. La vie doit être un peu trop calme sans le génie. Tu l'as dit. C'est pour ça que je viens ici pour profiter de l'animation les jours de Marseille. Et j'ai bien fait. Puis aussi, j'ai pas relevé quelque chose, mais je pense qu'Aladdin, c'est pour moi qui dit seulement salut les gars. Dis pas genre salut Sora, Donald et Dingo. Je crois que c'est le seul. Je ne sais pas. Il me semble que la majorité des personnes disent ça. Salut Sora, Donald et Dingo. Ou comment ça va? Ils font pas comme Aladdin ou qui a dit salut les gars ou juste salut Sora. Ça c'est cool. Ça n'a pas rapport, mais c'est moins genre répétitif, j'ai envie de dire. Donc c'est cool. Sinon, on ne se serait peut-être pas retrouvé. Ici, on fait toujours des rencontres inattendues. Hein? Sora? Yago? Ah, je l'avais oublié. Celui-là. Il voudrait s'excuser pour tous les ennuis qu'il a causés. Ben voyons. Regarde-le, il est si désolé qu'il tremble de tous ses membres. Ah, mais moi, je pense pas que c'est ça. Cette lampe? Oui. C'est la lampe magique. C'est juste un modèle qui lui ressemble. Non, j'ai passé des mois prisonnier à l'intérieur. Je la reconnaîtrai entre mille. Ah oui, tout content, ça va. Yes, je le savais. Mon Dieu. Alors, on ferait bien d'aller voir ce marsan. On te suit. Bon, on va prendre Aladdin parce que YOLO. La grosse raison du siècle, parce que YOLO. Là, il faut qu'on aille voir le marchand, mais voilà, je me rappelle plus où qu'il est. Je crois qu'il est à l'entrée. Vous pouvez noter que la ville est quand même extrêmement grande. Elle est plus grande que le premier. Puis, ça fait plaisir, honnêtement. Mais le premier aussi est sorti au début de la PS2, il me semble. Ouais, de la PS2, c'est ça. Il n'y a pas de deal, il me semble, c'est ça, voilà. Mais c'est... Donc, celle-là va super bien. Il y a une grande ville, tout. Puis, je me fais attaquer, donc je vais aller voir le marchand qui est là, en fait. Nous voudrions acheter cette lampe. Aucun problème, mais il va falloir y mettre le prix. D'accord. Oui, il n'y a qu'à piocher dans le trésor roi.
Donald. Le Ferl de Donald. Peut-être seriez-vous intéressé par un autre modèle? Non, merci. C'est celle-ci que nous voulons. Oh, je vois, dans ce cas, elle est à vous. Si vous m'offrez un trésor exceptionnel, quelque chose digne d'un sultan. Bravo, Donald. Bravo. Surtout, on a vu sa face, il a fait « Oh yeah, le trésor royal. » Qu'allons-nous pouvoir lui donner? Il y aurait bien quelque chose au palais, non? Mais ça ne m'appartient pas, et puis je ne tiens pas à le demander. Je ne voudrais pas inquiéter Jasmine ou le sultan. J'ai une idée. On trouvera ce qu'il nous faut dans la caverne aux merveilles. Pas bête, Iago. Tu vas nous y conduire. Et si tout se passe bien, peut-être que j'accepterai de croire à ton repentir. Tu peux compter sur moi. Bon. On va aller dans la caverne des merveilles. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté Aladdin. Ça me donne de le réécouter à cause de ça. Ah, c'était un bon Disney. Bon. ouais, avec des musiques quand même assez bien placées. Même si le Roi Lion sont encore mieux placés les musiques qu'Aladdin, il me semble. Mais Aladdin sont quand même extrêmement bien placés. Là, je pense qu'on peut détruire ça pour avoir la pièce de puzzle. Mais je sais pas si on peut le détruire en fait. Je crois que oui, mais j'en doute là. Non, j'arrive pas. C'est trop long. Voilà, un coffre. Avec un lac de la PS3, comme d'habitude. On ne change pas les vieilles habitudes, comme on dit. voilà. Même si c'est assez chiant, pareil, des lags. Voilà, un autre coffre. Voilà, on frappe. On frappe, on sait juste faire ça. Voilà. Allez, je sais pas si... Ok. J'ai rentré dans la prochaine zone sans le vouloir. Oh, c'est pas trop grave. On va juste retourner. Juste pour voir les coffres qui manquent. Il me manque, je crois, seulement celle-là. J'aurais dû me régénérer avec le point de sauvegarde. Allez. On fait attention. Voilà, il n'y en a-tu là? Non. Bon, c'est pas trop grave en fait. Je sais pas si je peux aller la ramasser. Non. Trop haut. Voilà, on va aller dans la prochaine zone, tout simplement. J'ai un petit peu mal à la gorge. C'est fou. Ah, un coffre. C'est cool. On va aller ramasser les coffres. Voilà, un autre gros coffre. J'adore les gros coffres. Bref, un anneau strié, donc une pièce d'équipement. Et je crois qu'il faut... Il faudra... Non, ok. Je croyais qu'il fallait parler à Dingo pour... Iago pour avancer, mais non. Je crois qu'il faut qu'on le fasse tout seul. Bref, je vais juste parler au perso. Je les lis pas parce que voilà, ils ont rien d'intéressant à dire. Je suis trop méchant. Bref, à la caverne des merveilles. C'est parti, allez. On a vu Pat tout simplement rentrer dans la caverne des merveilles.
Donc on sait pas trop pourquoi il rentre. Ah oh, putain, lance-moi sérieux. Bon. Où est-ce que vous êtes? Par là. Je vais juste prendre ça et après je vais me battre. Les, on se bat. Je crois que c'est un monstre. Le monde, je crois qu'il est niveau 20-22. Donc on est peut-être dans les niveaux, je sais plus quel niveau qu'on est. Allez, on soigne. Je crois que Donald en plus nous a soigné, donc c'est complètement débile. C'est pas trop grave, je crois qu'il n'y en a plus trop ici. De coffre. Donc c'est ça. Voilà, on les a battus. Et on rentre dans la caverne aux merveilles. Voilà, vallée des géants. La caverne des merveilles aussi a un petit peu changé. Voilà, je crois que... Perso, je la préfère au 1. Le 1, je sais pas, je trouvais que c'était un puzzle. Voilà, on l'a buté, on l'a massacré. Puis, je crois qu'il n'y a pas les gros sans cœur qu'il faut qu'on les batte de dos, donc c'est vraiment cool. Voilà, on va aller là-bas. Oh, ça fait mal, va-t'en, va-t'en. Oh. Allez, allez, je vais réussir. Voilà, parfait. Surtout que les combos, on dirait qu'ils arrêtent pas. Donc, il faut faire un petit peu attention. Bref, je vais aller prendre la pièce de puzzle. Je crois qu'il n'y a pas d'autre coffre. Et je crois que je peux l'avoir. Mais il faudrait que je saute. Ça irait mieux. Voilà. Bon, ok. Ah, il y a des gros sans cœur. Quand je parle qu'il n'en a pas dans le monde, c'est maintenant qu'ils arrivent en plus. C'est triste quand même. Allez. Voilà, on le frappe. Voilà. Et je vais encore te frapper. Tu vas bientôt mourir, donc c'est cool. Voilà, fini. Je vais continuer. Les gros sont assez chiants à battre. Donc bon. Je vais faire quelque chose, voir mes compétences. Assaut, je vais l'activer. Assaut, c'est quoi? Précipite. Ok, c'est bon. C'est quoi que je voulais voir aussi? Ah oui, je suis niveau 22, donc on est dans les niveaux du monde, donc c'est cool. Un diamant flotte dans les airs, ok. Et il y a ça. Apparemment, on peut mettre quelque chose dans le socle, donc c'est ça. Et il faut qu'on mette le diamant dans le socle. Bon, à bout à activer quelque chose. Et il court partout. C'est fou, hein? Bref. Voilà, on a tire Yabou. Ok, oui, il faut qu'on le fasse sauter sur... sur les trucs d'eau comme ça en fait. C'est assez facile en fait. Je m'en rappelais plus trop, mais voilà, c'est quand même assez facile.
Voilà, on peut sauvegarder ici. Je sais que l'épisode est court, mais je crois arrêter ici. Parce que... je me rappelle plus trop du monde. Je sais pas si ça continue vraiment après. Donc, on va arrêter ici. C'est pas le monde que je me rappelle le plus. Je vais être franc avec vous. Mais voilà, je vais arrêter ici parce que je sais pas si on est bientôt à la fin du monde ou pas. Mais je crois qu'on est rendu à la moitié. Donc, c'est mieux que j'arrête ici. En espérant que cet épisode vous ait plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça ferait extrêmement plaisir. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de Kingdom Hearts 2 Final Mix. Dans le prochain épisode, tout simplement, on finira le monde d'Agrabah. Et c'est ça. C'est à peu près ça qu'est-ce qu'on va faire. Donc, en attendant, portez-vous bien. Et bye tout le monde. Allez, bye bye.